Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle série. On va découvrir ce petit jeu indé fait par apparemment une seule personne du nom de Billy Basso. Sorti cette année là, fraîchement, je crois, le 8 ou le 9 mai, non, le 11 mai, je sais plus, début mai. Et du coup, ça va être intéressant. Jeu de plateforme énigme en pixel art avec un effet CRT du plus bel effet. C'est parti! Se réveiller. Oh, on se réveille de notre petite plante, on est un petit blob. Oh. Ah, il y a un côté tellement Metroid. Un œuf de trèfle. Ah non, mais il va y avoir les... Il va y avoir les succès Steam qui vont me spoil. Oh. Ça, c'est très célestesque, ce truc-là. La physique dans les objets du décor. Surtout en pixel art. Alors, est-ce qu'il y a des mécaniques cachées? Genre, si j'appuie sur certaines touches, il se passe des dingueries. Même pas, en fait. Là, il y a un truc caché, là. Voilà. Là, il y a un truc caché. Mais je peux pas aller plus loin parce que ça, ça me gêne. Ah, d'accord. Ok, ok, ça me va. Il va y avoir des trucs comme ça partout. Un écureuil. Et ici. Oh putain, mais il a couru vite. Ah, l'eau. On n'aime pas l'eau. Visiblement, on n'aime pas l'eau. Ouf. Ah oui, d'accord. C'est bon, on peut quand même utiliser les échelles. Pour l'instant, il y a une petite vibe céleste. On est vraiment sur du platforming. Pur et dur. Mais en même temps, une petite vibe Metroid. Y'a pas de dash là, je veux dire. Je vais aller là-bas. Y'a un coffre. On peut pas aller là-bas. Ah. Ça y est, petite frustration pour qu'ensuite on soit content d'avoir finalement atteint cet endroit. Oh oh! What? Mais cet écureuil veut me guider! Manivelle. Ah, c'est une manivelle ça? Tournez manivelle. Ok. Ah, elle retombe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bloqué. Dommage. Ah non, mais... Il y a pas une autre manivelle? Ah, oh, par contre, on peut aller là. What the... Oh! Ça va un peu vite pour moi. Ok. On n'avait pas été ici, en plus. D'accord. Oh! Attends, quoi? J'ai ouvert la porte? Non, bloqué. Mais attends, j'ai appuyé sur un bouton. Oh là là. Pas compris, là. Peut-être que je ne peux pas passer ici parce qu'il me manque un pouvoir. On peut pas monter la plateforme plus haut, je crois pas. Je pense que le max c'était la moitié à peu près de la hauteur là. Voilà, là on est au max. Ouais, donc le bouton jaune là-haut, c'est mort. Non, bah c'est pas grave, on reviendra plus tard. De toute façon, le... Voilà. Il nous... Téléphone. Je veux sauvegarder. Voilà, l'écureuil nous a guidés, hein, c'est... Oh là là, le vilain carré pixel veut me faire le... Ok, sympa. Mais on recommence au point de sauvegarde. Vite! Ah, il me suit. Mais je me suicide dans l'eau, bien sûr. Tout ça, c'est logique. Ah! À la manivelle. Oh, mais c'est dur! Est-ce que c'est possible au moins? Ça se trouve, non. Ça se trouve, on peut pas.
Ah non mais il nous rush de ouf. Bon, repartons peut-être à gauche pour essayer de comprendre l'histoire avec la plateforme. Et encore que... Sachant qu'on peut aussi redescendre. Ah oh. Nice. Nice. Déjà coincé ? Déjà dès le début ? Ah, attendez, mais cette plateforme, elle n'est pas là innocemment. Ouais, mais faut arriver à monter, en fait. Voilà, c'est bon. Ok, d'accord. Faut rush. On peut pas avancer vers la droite, mais on peut passer par là. C'est ok. C'est la plateforme qui donne l'indication, là. La plateforme qui bouge. Nice! Bon, c'est pas grave, je vais faire le tour, mais j'ai pas eu le temps de... de revenir sur la droite. Ok. Ramasser pétard. Lancer un pétard avec X. Ah, je n'ai droit qu'à 3 pétards. Ah, mais il y en a partout des pétards en fait. C'est le 14 juillet. Donc ça pète, hein. C'est vraiment ça quoi. Je me suis gouré de touche, en fait j'arrivais pas à trouver comment comment lancer le pétard pile sur lui et puis il est arrivé vite sur ma tronche donc Wouah, mais ça a une portée de ouf du coup les pétards. Ça l'a tué instant alors qu'il était méga loin. D'accord. Moi je crois qu'il fallait viser ultra précis. En fait tu le balances et puis il en meurt. Genre ça fait du gaz. J'adore hein, toujours le symbole de la disquette hein, pour dire que tu sauvegardes alors que je suis sûr que... Maintenant, 50% de la population n'a même pas connu l'époque des disquettes. Ok. Bon, le pétard a été dans la flotte, mais ça marche. C'est ce qui compte. Il y a un truc là-haut qui brille. Non ! Ah, c'est beaucoup trop... Oh, il y a beaucoup trop de choses comme ça inaccessibles. Petit lapin. Bah justement, justement, c'était... Voilà. Bougie éteinte. Ah. Bon, enfin... Oh, d'accord. Un œuf merveilleux. J'ai un inventaire, quelque chose comme ça? Oui, avec Y. Inventaire. 3 pétards. J'ai un œuf là, mais on peut pas le sélectionner. J'ai 2 œufs. J'avais déjà eu un autre œuf? Un œuf vert tout à l'heure, non, je crois. My god! Bon, c'est pas grave. Re. Petit crash du coup. Mais c'est pas grave. J'ai mes pétards, hein. Oui. Mais ma sauvegarde était là, donc... Ah oui, il y a l'autre, là. Paf!
Donc on a la bougie éteinte. Est-ce que je peux l'allumer avec un pétard? Alors, sans les gâcher tous. Je vais aller voir le lapin, moi. Bon, je vais pas redescendre au niveau de la bougie. Apparemment, c'est ça qui fait crash le jeu. Non, le jeu, il a même pas crash en plus. C'est ça qui est terrible. C'est juste OBS. Incroyable. Oh. Une carte. Nickel. Ouais, on est vraiment dans un Metroidvania, hein, pour le coup. Alors, oui. C'est une carte. Mais... Ah, si on... Ah, on a des objectifs, là. On a deux flammes. Trois flammes. Il y en avait une quatrième, hein. Voilà, donc faut qu'on aille voir les quatre flammes. On peut pas monter. Ah, si, quand même. Oh. Bon, on est clairement dans du... dans du Metroid, je veux pas dire, mais... Là, on voit les quatre boss qu'on va devoir affronter. Et c'est joli, hein. Il y a une belle DA. On est sur quelque chose de, d'assez... Ouais. Ouais. Oh, le canard colvert. Ouais. Ouais. On va croiser beaucoup d'animaux, hein. Ah, mais j'ai de la vie. J'ai même pas vu. J'ai des cœurs. Je savais pas. Donc, en fait, tout à l'heure... Ok, faut rester appuyé. En fait, tout à l'heure, quand je tombe dans l'eau, en fait, j'ai perdu un cœur. Donc, moi, je crois qu'il n'y avait pas de barre de vie. Donc, en fait, le fantôme carré, là, il m'a carrément one-shot. D'accord. C'est vraiment... Enfin, c'est une statue ou c'est un animal, ça? Ce gros... Là, on va dans l'antre du... Ok, super. Alors, visiblement, ça n'atteint pas ma vie, et tant mieux. Non, mais j'ai clairement pas le... Si, ça va. Ça fait fuir l'animal là-haut. Oh. Oui, on est d'accord que ça fait mal. Je voulais m'en assurer. Manger fruits. Oui. Apprends à jouer. Bien sûr. Bloqué. Verrouillé, verrouillé. Il y a un coffre là. Mais c'est trop haut. Comment ça? C'est quoi ce bruit quand... Ah, c'est lui là. Allez, détruis-moi ces blocs, je veux le coffre. Il était là en fait. Il veut me bouffer lui. Dégage. Bon, il y a beaucoup de points de vie. À moins que... Ah... Une clé. C'était une plateforme. You are a platform, you are not an enemy. Ok. Alors, je pourrais ouvrir cette porte. Voilà le... Voilà Totoro. C'est une plateforme qu'on peut manipuler. Bon, ça va pas beaucoup m'aider de faire ça.
peux pas grimper là? Grimpe là. Remarque, non, c'était suffisant. Ça va, il monte pas sur le Totoro. Ok. Il y a des boutons partout. Ah, mais peu qu'il y a un fruit. Téléphone. Oui. Sauvegarder. Et là, on a une porte bloquée par des interrupteurs. Très joli castor hein, en fond, bien sûr. On est juste dans une. On était juste dans une salle de sauvegarde là. Non, alors je voulais pas spécialement faire du mal à ce charmant animal, mais. What? Ok. Ah. Ouais. tu peux tomber hein des voilà. Ah mince. Ok d'accord j'ai compris. Risseton. Donc on le fait monter sur la plateforme. Maintenant, bouge pas, s'il te plaît. Bah oui, mais non, en fait. Notre seul moyen d'atteindre le coffre, là, c'est d'ouvrir la trappe par ce bouton que lui peut actionner, mais si jamais... Non, qu'est-ce qu'il fait? Mais restez sur le... Restez sur le bouton, monsieur. Allez, je réfléchis. Ou alors, j'ai pas ce qu'il faut pour... Ou alors, faut aller super vite. Non mais le jeu veut que t'appuies sur ce bitonio. Hein. Loupé. Il avance trop. Il avance trop! Mais oui, c'est relou! Avance que d'un pixel, à la fois! Hey, on dirait que son regard, il est. Il continue. Vas-y, avance! Avance! Mais voilà, mais il continue! Alors je suis redescendu! Mais il casse-couille! Bon alors. Ah, là on est bien. Donc, du coup. Ah, je voulais aller vite en me disant j'aurais le temps de repasser, mais la plateforme elle se relève tout de suite quoi. Ah, c'est. Oh! Oh le clip.
C'était certainement pas comment il fallait faire, mais on s'en fout. Ah! Bravo! Super! Donc j'appuie sur un bouton, donc ça ouvre l'une des deux portes du bas, d'accord. Donc à droite maintenant, on devrait pouvoir accéder à l'autre bouton. Oh là là, my god! Oh my god! Non mais il y a un truc avec ces blocs en verre là. Il y a forcément un truc, c'est pas possible autrement. Est-ce que je dois recollecter des pétards? Parce que on est un peu en manque là. Nos pétards? Il n'y a pas de la musique partout en fait, il y a une espèce de musique d'ambiance dans dans les salles de sauvegarde. Un peu comme dans Metroid d'ailleurs, mais là il n'y a pas de musique, c'est dommage un petit peu quand même. Qu'est-ce que ça? Ah oh, oh là là. D'accord. Understood. Yay! Là, on a moins galéré hein, sur celui-là. Hein. Ok, on va prendre l'ascenseur éléphant. Let's go. Oh non, mais j'ai pas de pétard! Je vais me faire défoncer! Ramasse pétard! Vite! Oh my god! Non, ça va, ça garde ma progression, heureusement. C'est pas l'état de la sauvegarde à ce moment-là. Ah, mais le pétard, il est là. Oh, le stress avec ces trucs-là. Oh non. Ah, il va me bouffer. Oh. Vite, Totoro. Oh my god. Ça va, sa langue est trop courte. Attends, il faut une troisième. Oh là là, my god. Faut que je l'analyse. La plateforme, hein, prends ton temps, hein, surtout. Hein. Vite, 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 vite. Stress. Vite. Ok. Ah. Oh. Un Slink. Ah oui. Nous en France, on appelait ça un Honda Mania. Bien sûr. Alors, la carte. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce symbole là? C'est là où je suis mort la dernière fois, non? La tête de mort rouge là. Ouais. Donc l'inventaire. Donc on a le Slinky. Pas le Slink. Ah. Nice. Oh, let's go. D'accord. Là aussi, il va falloir mettre le Slink. Vas-y, Slinky. Dans l'eau, le Slink. D'accord. Level design hein, de qualité. Hein. Il y a des enchevêtrements.
L'a-t-il... Oh, c'est le corbeau là-haut. Il m'a fait peur. Eh ben, tu me bouffes pas, hein. Laisse-moi tranquille, hein. Voilà, j'ai des pétards, hein, sinon, hein. Allez, on va rééquiper les pétards. Hein. Je les ai vus. Ah, mais oui! Fallait pas rester dedans. Ah, mais il y en a partout. Tout ça, c'est du. Comme du miasme. Berk. Ok. Continuez, hein. Voilà, c'est sans fin. Il y en a là-haut aussi. Oh my god. Et ça, c'est quoi? Ce n'est pas un fruit. Ça. D'accord. On apprend, hein. Mon... Oh, il y a des pièges sournois. Regardez-moi ça. C'est dégueulasse. Donc il y a les jaunes et les bleus. Les bleus vont plus haut que les jaunes. Enfin, bleu, les verts. Pourquoi est-ce quoi? Oh, le sling, ça peut être rigolo sur ça. 8, 8. D'accord. Donc imaginons... Ça ne sert à rien. ça c'est vraiment marrant, ça. J'ai jamais vu ça dans un jeu. Enfin, moi, j'avais jamais vu. D'accord. Le téléphone. Le téléphone. Non, non, on va éviter les dark refs. Pas si dark, hein, mais quand même. Enfin, dark, ça dépend de la signification du mot dark dans ce cas-là. Alors. Et je suis prudent maintenant, je sais pas où est-ce qu'il y a du miasme, parce qu'il est pas forcément très visible en fait. D'accord. Tête d'ours là, qui fait peur. Qui vient d'avoir les yeux allumés. Tain, pourquoi? C'est bizarre. Genre quand je suis là, ses yeux s'allument. D'accord. Des singes. Maman et son bébé. Et il me jette des cacahuètes. Dis donc. Je prends l'œuf du chaos. Pour la peine. Attends, mais ça me fait mal. Oui. Connard. Cassons-nous. Ah, et vous voulez pas qu'on reste chez eux, hein. En même temps, c'est logique. Bon, comment on utilise l'Onda Mania ici? Alors. Comme ça. Pas du tout ce que je voulais faire. Mais ça a l'air de marcher. C'est ce qui compte. Ah merde, il en faut 3. Quoi? Ah oui, il y a les autres boutons. Non, mais... Là, dans ce sens-là. Ah non, il faut... Ah oui, d'accord, ça tombe pile poil. Ok, ok. Putain, le casque est en train de me niquer la tête. Ok, ça va pas du tout dans le sens où je veux.
Oh quoi? Mais tu... Comme ça. Très bien. Maintenant, comment le faire aller? Comme ça peut-être. Pas du tout. Like this. Nickel. Il y a un truc là. Non, même pas. Là, là, il y a un truc là. Non plus. Oh, quel accueil. Oh, une fée. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a trop de miasmes. C'est une fée lapin. Très spécial. Hein. D'accord. Et donc, tu es une plateforme? Pas du tout. Je reviens hein, parce que j'explore. Ils font peur. Hein. Et le bouton rouge, c'est quoi? C'est ma mort? En effet! Oh les bâtards! Oh les bâtards, serres! C'est bien d'essayer, c'est bien, moi j'aime bien. J'aime bien expérimenter. Manger frit, oui. Ah merde, je sais plus où je suis moi par rapport à où on était avant. Ah là là, attends. Ah, il faut se servir de la carte parce que là, il faut utiliser le Honda Mania correctement. Attends, attends, attends. Ah, j'ai pas été dans la salle au-dessus parce que je suis mort juste avant chez les corbeaux. Ah oui. Pareil, la salle avec la tête d'ours, elle me permet d'aller au-dessus là, l'espèce d'escalier. On est pas loin d'une flamme hein, d'ailleurs. Hein. Et ça me permettrait d'activer cet interrupteur là. Parce que j'ai l'impression que cette porte, il faut deux interrupteurs. Ok. Mais là, comment faire? Parce que là aussi, il faut activer. Ah, c'est une salle que j'ai pas trouvée encore. Ah oui, mais qui donne accès à une salle avec un téléphone. D'accord. Bon, explorons et on va voir ce que ça donne. Notamment, on va avancer sur la salle des corbeaux. En les laissant tranquilles, hein. Ah, oui, ah d'accord. C'était le tuto pour te dire attention. Attention de ne pas appuyer sur les boutons rouges. Alors. Putain, du coup, normalement, si je fais ça, il va pas aller sur le rouge. Il va aller sur le deuxième jaune. Voilà. Et enfin, si je fais ça... Oui, voilà. Easy. Du coup, on peut faire ça. Premier bouton jaune, nickel. Ah, d'accord, c'est une porte à 1. Ok. Ah oui, il faut vraiment des marches hein, au Slink. Ok. Ok, d'accord, c'est... La fenêtre est courte. Surtout en train de me demander, est-ce que c'est faisable? Oui, alors attendez. Putain. Oh my god. Mon Slinky. Oh.
Mais ça, il faut aller super vite. L'est-il? Attendez. Bah, le problème là, c'est que... Voilà. C'est que voilà. Ça monte pas les escaliers. Putain, puis ça va méga vite. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire tout le chemin. Et surtout, non mais... Enfin, laisse tomber, quoi. J'arrive déjà même pas à faire le saut en question. Ok, d'accord, c'est faisable. C'est faisable, mais voilà l'affaire, hein, c'est tight. C'est... Ouais, ok, d'accord, ça va. Je m'attendais beaucoup plus difficile. Du coup, on arrive ici. Ok, le téléphone. Level design, hein, comme je le disais. Il se place là. Et du coup, on arrive... du coup, on arrive là. Nickel. Qui est cet escalier? Alors. Putain, c'est timé, mais... Mais en mode vénère. Attention aux petits trolls. Avec les plateformes. Une allumette. Super. Alors. On a une allumette. Là, on a parcouru pas mal de salles. Est-ce que avec l'allumette, je peux passer le gouffre avec l'espèce de d'esprit lapin? À voir. Parce que là, en gros, je suis obligé de retourner sur la droite, on est d'accord. Ah non, attends, je peux continuer là. Oui, voilà. Ah. Ah, faut apprendre une nouvelle mécanique pour maintenir quelque chose sur le bouton là. Plutôt non. Aïe. D'accord. J'avais même pas vu ce téléphone la première fois. Les pingouins. Oh, le revoilà lui. Viens ici. Ah, le platforming, hein, bien sûr. Bon, faut reset la salle. Ah, on peut pas. Ah, mais il y a un interrupteur. D'accord. J'ai pris le background pour de la plateforme. Oh, il y a des sauts, ils sont un peu vénères, hein, quand même, hein. Voilà. Une autre allumette. Alors, les allumettes sont pas des objets utilisables. D'accord. Mais ça va nous servir.
Du coup, on a... Ah. D'accord. Bon, vas-y, je recommence. Oui, mais attends. Comment on entre, là? Ah, comment on fait là, hein? Je vous le demande. Est-ce que le Slinky il peut Non. Définitivement il sert à rien. Je pense qu'il me manque peut-être un pouvoir ou un truc du genre. Parce que là, je vois pas trop comment passer. Magnifique. Flamand. Ok. J'essaie de savoir à quel endroit il faut amener la flotte. Mais pour l'instant, c'est pas clair. Alors, je trouve que c'est bien pour la première plateforme, mais alors la deuxième, je... Là-haut, peut-être ? Non. Mais c'est amusant. Bon, ok. Je l'ai pas, mais... Grave. Non, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Où sommes-nous, là? Bah on a d'autres zones à explorer, hein. c'est pas perdu. Il va falloir qu'on fasse du backtracking, mais pour l'instant il me manque ou de la connaissance ou des pouvoirs pour passer certains obstacles. C'est évident. Magnifique. Des repères. Ah. Ah, c'est la boussole. Enfin, il me semble, non? Ou pas? Non, peut-être pas en fait. Est-ce que l'œuf? Ah, c'est ma collection d'œufs. Et je suis... Ah, oh là là! Donc, quand j'ai 8 œufs, je vais ouvrir cette porte. 16, 32 et 64. Ah, ça c'est... Il y a beaucoup d'œufs, hein. Il y en a beaucoup. Le pan veut des œufs. C'est noté. D'accord. C'est marrant, la plateforme allume la lumière.
Nice. Il y a une frise sur le mur, donc c'est obligé qu'on lance un truc qui fait que du coup, on active des trucs à distance. Allez, voilà, c'est beaucoup de trucs, mais j'ai compris. Il y a un castor là-bas, il me fait un peu peur. Le pétard. Oh le chien. Oh le chien. Il veut jouer avec moi, mais lâche-moi, salaud. Ah oh, bâtard. Je te balance le slink, hein, fais gaffe. Ou alors un pétard. Insupportable. Comment j'ai ce fruit. Oh là là. Oui, mais là... plouf. Ah oui. Alors, moi je veux bien, mais... Là, on a clairement pas de quoi actionner ces leviers à distance. Oh bâtard, il va tellement vite. Alors. Bon, ici, Dangerous. My God. Ah mais de toute façon on peut pas vraiment monter plus haut. Ah l'écureuil, te revoilà. Prendre le disque. J'ai un disque. Ah il fait peur lui. Il aime les pétards? Non, il est. Cassons-nous. Oh, il passe à travers! L'enfer! Non! Ah! Ah! Le secours! Il... Oh putain! Vite! Ok, on peut le manipuler un petit peu. Oh my God. Non mais c'est... Il va trop vite. Ah ouais je sais là, j'ai plus beaucoup de vie mais... Comment le manipuler pour que j'aie le temps? Putain, mais c'est impossible. C'est beaucoup trop haut, là. Ah, le timing, il est tellement serré. Et c'est un boss ou pas? Parce qu'on voit la... On voit la statue. On voit la statue. Je suis mort mais pas au niveau d'une flamme donc c'est peut-être pas un boss. Allez, on est revenu à la salle des œufs. J'ai le disque. Attends. Je n'ai pas le disque. Ok, prenons pas le disque. Ne prenons pas le disque. C'était
peut-être pas le, c'était peut-être pas la, la meilleure idée de prendre le disque au début. Bien. Voilà, comme ça on ouvre. Et comme ça... Vas-y, je vais explorer avant de prendre le disque en fait. Parce que si ça se trouve, il nous suit jusque là. Hein. Remarque, c'est un point de sauvegarde. Ce serait étonnant. Des statues de toutou. Et là, il y a un énorme coffre. Ah, vous voyez pas mes points de vie, ils sont derrière mon pseudo, j'avais pas fait gaffe. Bah oui. Oh non, il y a encore lui. Attendez, je vais modifier le layout du jeu. Je sais plus quel autre jeu on avait dû faire ça. C'était peut-être Undertale ou un autre jeu. Un truc comme ça. Ah mais de toute façon, il y a moi qui gêne. Il y a moi qui gêne. De toute façon. Je suis mal placé à la base. C'est pas grave, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, je vous dirai ce qui me reste en vie. Voilà. Au pire, on le voit très légèrement en transparence, hein, donc ça le fait. Hein. J'étais en train de pioncer, hein, littéralement. Ah, tu peux pas m'avoir, hein. Ah, t'es vénère, hein. Vas-y, essaye de rentrer, là. Abruti. Oh non, mais ça sent les fantômes encore, ça. Oh my god. Les fantômes prospèrent. Allumez la bougie. Oui, j'ai des allumettes. D'accord. Ok, putain, mais il faut revenir à cette fameuse salle où il y avait une plateforme et il y avait une bougie également. Oh là là. Du coup, je n'ai plus qu'une bougie. Ah, les allumettes sont vraiment... C'est comme des clés, en fait. C'est vraiment pareil. Alors, du coup, est-ce que dans les salles précédentes, je peux aussi allumer? Alors déjà, c'est un sens unique. Je suis tombé comme un idiot. Mais c'est pas grave. On apprend. Bah, encore avoir l'autre un fantôme là. Non, même pas. There is a pétard. There is another pétard. Et une manivelle. Bon, c'était pour ouvrir cet accès. Et comment il sait que je suis là, lui? T'as beau après quoi, toi? Parce qu'il flaire. Il flaire, ce salaud. Oh, mais il est chiant. Bâtard. Il est chiant. Saint Jack Russell, c'est obligé. Oh, les plateformes. Oh, les plateformes de l'angoisse. Échanger. Oui. Échanger une plateforme sur laquelle je suis. Je vais scier la branche sur laquelle je me trouve. Petit piège, là. Petit piège qui fait plaisir. Je vais essayer de pas tomber, hein. Ok. Dans quoi? Attends, je suis au début du jeu, là, non? Non, non, pas... Ah, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est une salle... J'ai cru que c'était une salle du début du jeu. Un faux disque. Oh, nice. Ok. Et là, il faut bien un truc pour tirer. Oh. Ah, mais on a un autre type de chien, là. Oh, eux, ils passent dans les conduits, eux. Oh, c'est les teckels. Oh, l'enfer. Merde. Il m'a pas vu.
Vite, vite, vite. Stress. Oh, un œuf acide. Let's go. C'est qu'un jeu vidéo, mais je suis à tellement à fond dedans que je stresse. Manger fruit. Oh, oh, c'est un fruit bleu, j'ai un cœur bleu. Excellent. Alors. Mais attends, on avait pas été là? Il semblerait que non. Oh mon dieu. Ah, merde. Attends, il y avait... Ah, il faut passer le chien, en fait. Attends, je comprends pas. Le petit labyrinthe, là, avec le teckel, il vaut mieux pas le prendre, en fait. Il vaut mieux essayer de passer en haut, parce qu'il y a la porte rose à ouvrir, là. Attends, c'est bien ça? Oui, le bouton est de l'autre côté. Donc... En fait, il faudrait arriver... En fait, je pense qu'il faut faire ça. Ouais, on verra. Donc là, on va vraiment vers la salle avec le faux disque, je crois. Enfin, avec le disque. Échanger les disques. Comme ça, on n'est pas maudit par le fantôme du chat. Il m'a fait flipper, hein, au début avec son cri... Je vais ronronner. Alors. Je suis pas max, hein. J'ai besoin de regarder la carte de temps en temps. Ne m'en veuillez pas. Oh putain, le timing de la plateforme. Ah oui, alors attendez, parce que ici, on était dans une... Il fait trop sombre pour voir la carte. Nice, nice. On peut pas couillonner le jeu. Donc là, j'étais... Oh putain, oui. Ouais, j'étais tombé, mais... J'étais tombé là. Ouais, non, mais c'est fait exprès, en fait. C'est normal de tomber ici. J'aimerais bien pouvoir allumer dans ces salles là. Et du coup, attendez, il y a un passage là. Non mais, on me la fait pas. La liane elle passe dessous, hein. Comment ça fait qu'on peut pas? Évidemment que le disque fait ça. Évidemment. Alors. Où est le truc là? Où est l'interrupteur? Dans ce bordel. On voit rien là. Ok. Ah nice! On peut bait le chien avec le disque. Énorme. C'est tellement logique. Va là-bas. Oh, il a chopé! Énorme. Ok. Non mais les sauts hyper tight là. Oh punaise. Bah oui mais... Attends parce que... Ah y'a... C'est pixel près là. D'ici... Mmh.
va y arriver, hein. Oh, punaise. Tiens, chope. Chope, sale cabot. Voilà. Pourquoi les sauts sont aussi courts, quoi? C'est terrible. Bon. Voilà, on est d'accord qu'on peut... Alors, avec le disque, mais dans un seul sens. Et après... Oh my god, la physique est prise en compte. Donc... Ok, d'accord. Sauf que... Ah oui, faut être rapide. Oh. Oh. Non, mais c'est pas vrai. Y'a un coyote jump ou pas? Ah, pas loin. Dans quoi? J'ai eu l'impression d'être... De flotter légèrement en l'air au niveau de la corde de la lampe, mais c'est peut-être moi. Nice. C'est bon. Ok. Un œuf rouge. Ça doit vouloir dire quelque chose, ça, quand même. Ça me l'a fait au début du jeu. Du coup, voilà, maintenant qu'on a le... Enfin, on avait le faux disque depuis longtemps, hein. Mais... Voilà, du coup, on continue. Voilà, on ouvre ici. Nickel. Nickel. Du coup... Nickel, une allumette. Bon, par contre, ça nous... permet pas d'ouvrir cette porte parce qu'il faut arriver d'un autre endroit. Dac. Dac, dac, dac. Oh, allez, on va profiter de ce téléphone pour faire une petite pause. À très bientôt sur YouTube pour une prochaine vidéo. La bise.